Saboum. Bonjour, monsieur Dexter. Bonjour, bonjour. Bien, bien, bien. Alors, où est mon gars? Où est Lenny, sale fils de pute? Ok. Tu veux la jouer comme ça? Tu vas être servi, connard. Tu vois cette gamine que tout le monde s'arrache? Eh bien, les docteurs disent que c'est ce truc qui lui donne la patate. Regarde-la. Toute faible, la petite chatte. Monsieur Dexter, dégage! Merde! Qu'est-ce que ce truc fout là, Clive? Oh, c'est pas à moi! Merde, putain! C'est à ma secrétaire! Sale taré! T'as buté Lenny, c'est ça, hein? Bon, écoutez, croyez-moi, vous feriez mieux de lui dire ce qu'il veut savoir. Un accident est si vite arrivé dans cette prison. Allons. Monsieur Dexter, allons. Vous vous occupez de vos affaires, je m'occupe de ce type. Ça va aller. Je veux retrouver mon fils, Clive. Est-ce que je vous ai déjà laissé tomber, hein? Allez, laissez-nous. Ouais. Maintenant, c'est toi et moi. Ok, salut à tous, c'est Uzo. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Hitman Absolution. Et donc on s'est fait capturer au dernier épisode, rappelez-vous. Alors désolé pour ces petits retards, normalement je suis constant, mais comme je vous ai dit, j'étais malade et j'ai la voix qui est toujours pas revenue. Donc j'essaie de faire mon maximum pour vous proposer un épisode assez rapidement. Donc là, hop là, on a réussi à se libérer. Ok. Hop. On se fout là. Et on va attendre que le garde arrive pour s'en occuper. Merde, c'est toujours la même chose. Je m'en occupe. Ok. Nickel. Voilà. Ok, on va prendre son corps. On va le cacher. Je vais prendre son arme aussi, ça va me servir. Ok, nickel. On va se foutre ça là. Allez hop. Bonne nuit. Ok. Est-ce que nos armes seraient par là? Non, nos armes elles sont pas là. Ok. Ouais, Non, c'était juste le shérif. Il avait l'air. Ah, sympa ça. De bonne humeur. Il devait sortir d'une de ses séances de. Tu sais. Ok. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais on va refaire au point de contrôle. Ok. Bon, comme on l'avait fait au début. Hop. On déclenche la lame incendie. On se remet là. On va attendre le garde. On va éviter de se faire opérer pour 1600 points. C'est quand même beaucoup. Et ça peut nous empêcher de faire un bon score. Notre but c'est de faire un bon score. T'as carrément, il a un mec, il a un poster de lui quoi. Ah, il a été élu. Il a été élu shérif quoi, ok. Putain de tout. Ok, hop, petite maîtrise. On le bute pas. Par contre, on prend son déguisement. Et son flingue.
Hop, c'est parti. Et on va le foutre dans son lit. Nickel. Ok, on va avancer tranquillement. Ouais, je m'en occupe. C'est parti. Non, c'était juste le shérif. Il avait... Nickel. Hop. On le fout là-dedans. Ok, donc ça c'est cool. On va prendre des premiers soins. Ok, nickel. C'est la même chose tous les ans. Merde. À chaque kermesse, il faut que tu te bourres la gueule. À chaque kermesse. Seulement bonne humeur. Arrête, je sens. À quoi il joue celui-là? Alors, c'est quoi cette année? Ok, c'est bon. Alors, c'est qui l'invité mystère? Skurky avait l'air. J'ai flippé sa mère. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Ils doivent coûter plus cher que ma baraque. Écoute, je sais pas qui est ce type, mais c'est pas un amateur. Et je crie fort. J'ai pas pour habitude de me plaindre, hein. Mais là, c'est genre toutes les 30 minutes. C'est impossible de faire mes l'œil. La veille de la kermesse. Comment je vais faire pour gagner mon poisson rouge, moi? Ce sont les camions de Dexter Industries. Je peux rien faire. Tu parles. Donne-moi un formulaire, je veux porter plainte. Ils sont vraiment obligés de traverser la ville. Ok. Bad of bad. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Je sais que Dexter Industries emploie la moitié de la ville. Merde, putain. Avant de continuer, vous devez récupérer. Attends, faut que je regarde où elles sont les Silver Balls. Elles sont là, d'accord. Ok. Bon, le point de contrôle, on y retourne. Et les Silver Balls, maintenant on sait où elles sont. C'est pas un problème. C'est la même chose tous les ans. Merde. À chaque kermesse, il faut que tu te bourres la gueule. Je suis pas fou. Ok, on va passer par là. Là. C'est quoi cette année? Il a encore chié dans la fontaine? Il a interrompu le discours du maire en prétendant être Jésus? Non, j'ai. Okay, on va passer par là. Nickel. Ok, nickel. Mais là, c'est genre tout est trop. C'est impossible de fermer l'œil. La veille de la kermesse! Comment je vais faire pour gagner mon poisson rouge? Ce sont les camions de Dexter Industries. Ok, je récupère mes armes. Et on se casse. Sheriff Skurky, putain de merde. Nous prenons le contrôle de la ville. Vous êtes qui, bordel? C'est ma ville, merde! Entrez-lui qu'on plaisante pas. Ah! Ne tuez pas! C'est pas vrai. Équipe Alpha, poursuivez la mission. Trouvez 47. Ah, quand même, maintenant on a l'agence au dos après les flics. Bon. Ça va pas être facile, c'est moi qui vous le dis. Ah, on doit traquer. Ah, il est pas mort. D'accord, il s'est fait percuter par une voiture, mais il est pas mort. Ok. Ça va être chaud. C'est moi qui vous le dis.
Rien n'est facile dans le jeu de toute façon. Ok, on se hisse. Ok, bon. Hop, on se le fait. Et on va prendre son costume qui va nous servir à passer un peu inaperçu par ici. Ok, et là on le cache. Ah ouais, carrément, d'accord. Ça a pas, le camion il a pas, j'ai cru qu'il avait pas sauté, je me suis dit bon, c'est un petit événement comme ça quoi. Jugez, un petit malin s'amuse à balancer des trucs. On va le coincer. Ça va être dur. Mais on va bien trouver une solution. Ça va pas être facile, c'est moi qui vous le dis. Arrêtez ça tout de suite. Bon. Vas-y. Bien sûr. Putain, fais chier. Qui est là ? Montrez-vous. Je le connais. Rien à signaler. Beau salaire. Bien compris. Le feu risque de s'étendre. Il faut trouver la cible au plus vite. Au moins, la cible pourra pas passer par là. Allez, on y va. Il faut qu'on ratisse les parkings. Il n'y a pas de temps à perdre. Ok, nickel. Il s'est enfui par là, ce bâtard. Ah ouais, carrément. Ça continue à péter. On le rattrape. Ouh. C'est chaud quoi, c'est pas une petite c'est pas une petite explosion tout ça. Oh non 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 non. Il m'a vu. C'était cramé, putain, dommage. Dommage, dommage qu'il m'ait cramé. Ok. Hop. Ah nickel. Sauf qu'on a pas le masque à gaz, c'est ça qui est dommage, tu vois, ça on pourrait se cacher avec le masque à gaz, mais là non. Tant pis. Hop, on va garder celui-là. Okay.
Ok, on va passer par là. Bon, faut vraiment qu'on se fasse pas repérer, les gars. Nickel, on est passé derrière. La sortie, elle est là. Fuck. Ouf, ouais, mais... Là, je comprenais rien. Alors, en plus, avec le son, il est... Enfin, l'effet du son, c'est hein, comme on est dans la fumée, ils font un petit effet assez dégueulasse. Et en fait, la musique, elle devient oppressante, c'est chiant. On repasse par là. Hop. Voilà, tout simplement. Hop. Après, on va passer par l'échelle. Ouais, effectivement, comme ça on arrive directement derrière. Ok, bon, déjà on a réussi à s'en sortir un peu des gardes là. Au final, la petite explosion, elle a provoqué vraiment beaucoup de dommages, quoi. Ça, j'entends un hélicoptère. J'entends un petit hélicoptère. Bon, on est à la fin de la mission. Ici Lapin, je suis au point de contrôle. Je prends position au magasin à 45 degrés au sud-ouest. À vous. Ok. Lapin, tenez la position. On va l'obliger à se replier dans notre direction. Terminé. Quoi, ils s'attendent tous les tuer? Ouah, ils sont chauds quand même. Ils tuent. Ils tuent les civils comme ça. Alors, tranquille à l'arrache. C'est horrible. Ouh, c'est des belles plantes, ça. Non. Non, bah voilà. Franchement, j'ai pas voulu le... Il savait pas que j'étais là, enfin... Logiquement, dans le jeu. Non, sinon dans la vraie vie, il serait que j'étais là, mais voilà. En position au magasin à 45 degrés au sud-ouest. À vous. Compris, Lapin. Tenez la position. On va l'obliger à se replier dans notre direction. Terminé. Ok. On est en train de faire un massacre là-bas. Hop. Est-ce
que moi, il y a un endroit pour que je cache ce truc. Ok, on va le mettre là. On va te le mettre là, ok. Changer marteau contre mine de proximité, c'est parfait. Ouh, un truc intéressant, tiens. J'ai pas Skirk qui est en visuel. Ok, hop. Arrêtez ça tout de suite. Fausse alerte, c'est juste une alarme qui déconne. Bien compris. Ok. Nickel. Je comprends pas comment il a pu nous fausser compagnie comme ça. Croyez quoi ? Ce type est un fantôme. On va passer par là. Ok. Ouf. J'ai cru que j'allais me faire buter. Au final, non. Ah, cette mission. Normalement, il n'y a personne. Je dis bien normalement. Je sais pas s'il y a d'autres entrées, non, il y a que celle-là, je pense. Chérif, faites quelque chose. Vous allez bien, mon fils. Oh, oh, Seigneur. Vous êtes un lâche, Chérif Skirky. What? Ah, faut aller. Ouais! Ouais, c'est ça! Tu sais qui c'est le patron? Skirky! Skirky, c'est le patron! Ouais, c'est ça! D'accord, ok, je me suis fait buter quand même, merde. Comme à lâche. Boum! Ah, mais je lui ai mis une balle dans la tête, il est encore en vie! Au final, juste avec une explosion d'un camion citerne, on a détruit une ville entière. Bon, bah, on a fait spécialiste. C'est pas ce que je voulais faire assassin silencieux, mais au final j'ai pas réussi. Mais bon, on a quand même récupéré pas mal d'objets. C'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain.